Salut, salut les ingénieurs! Alors aujourd'hui, une nouvelle petite salle, hein, de la plaque passe au fond d'un couloir comme d'hab. On va ouvrir et. Oh, qu'est-ce que c'est cette machine? Waouh! Une machine de l'enfer! Juste avec des coffres, des hoopers et tout un tas de murs blancs et une jolie porte. Waouh! À quoi ça peut bien servir? Bah, allez, je vais pas vous faire marronner plus longtemps, je vais vous filer la réponse. Pour ceux qui étaient là dans la version 7 de Black Past, hein, parce qu'on est toujours sur Black Past là. Il y avait de temps en temps des give-all. Donc qu'est-ce que c'est qu'un give-all? C'est hop, c'est annoncé, c'est un événement, et tout ça, et c'est. Comment dire? Les admis, ils vont vous filer plein d'objets. Donc ça peut aller de la motte de terre, au coffre, en passant par de la potion, en passant par du stuff aussi. Hein. Si on se souvient sur la fin de la version 16, on avait du stuff légendaire qui popait et tout. Waouh, c'était magnifique! Mais le problème qu'il y avait, c'est tout simplement. C'est que bah, y avait un petit bot qui s'amusait, pour éviter tous les lags et tout ça, à tout virer. Alors, toutes les 5 minutes, je crois, le bot s'activait, on avait le petit message en bas, tout ce qui est au sol disparaît. Froum! Et là vous faites, oh non quoi! Parce que tous les objets qu'ils nous ont donnés, si vous n'avez pas le temps de les mettre en. Comment? Si vous n'avez pas le temps de les mettre en coffre, donc là c'est des grands coffres, mais tout ce que vous avez en RAM, ça tombait au sol. Et si le robot passait par là, jute, vous n'avez plus rien. Donc, il m'est venu cette idée, des petites machines, là, comme ça, vous vous mettez là, et puis vous faites du AFK, vous attendez tranquillement. Comme ça, tout ce qui va popper, bah, et tout ce qui va partir au sol, hein, tout simplement va tomber dans les hoopers, et vous êtes sûr de récupérer 100% du give-all. Et ouais, c'est une petite machine comme ça, mais n'empêche, ça peut bien être pratique. Hein. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, hein. Vous faites un tapis de hoopers, vous les reliez plus ou moins tous ensemble, qui vont dans les coffres, et après, sur les coffres, ça dispatche. Tout simplement, et ça au moins ça évite de perdre beaucoup d'items, surtout si magnifiquement ils nous font tomber du P10 ou des trucs comme ça, des trucs super rares, donc c'est super efficace. Voilà, la petite machine, une petite vidéo en infiltration. Allez, bye bye!